Et salut les petits culs, j'espère que vous allez bien. La vidéo tant attendue, le cinquième épisode de la saison 4, saison des Jeux Olympiques. Et ça y est, on y est, les Jeux Olympiques c'est maintenant. Ah, on a chômé la France, on met la France le plus haut possible, nos premiers Jeux Olympiques. Alors bien évidemment sur ceux-là on est un petit peu faible, on a une note générale de 81. Et peut-être que sur nos premiers JO, bah voilà, on va juste découvrir, on va peut-être être... subir finalement ces Jeux Olympiques, cette pression qu'on a, ou peut-être qu'on va éclore, qu'on va naître, puisqu'il y a des mecs qui passent à côté de leur jeu. Il y en a, et il y en a qui se subliment. Est-ce que nous on va faire... est-ce que nous on va sublimer ou est-ce que nous on va échouer? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec toutes les étapes, bien évidemment. L'intégralité, on va démarrer par un mix relais, si on fait le mix relais. Un sprint, une poursuite si tu fais partie des 21 premiers. La course individuelle qui est peut-être la course qu'on a ciblée, hein. C'est la course qu'on a cochée cette saison. Le single mixed relais, donc c'est un seul homme, une seule femme, donc je pense que ça on le fera pas. Le relais masculin, on a vu, on avait remporté la breloque en or, hein. Chaque médaille d'or sera savourée, chaque médaille d'or sera soupesée, chaque médaille d'or sera fêtée par une rasade de doublons. Et on terminera par la Mastart, bien évidemment. Et là, je pense qu'on la fera en fonction de nos résultats de ces Jeux Olympiques. Donc attention, c'est pas sûr. Hein. On peut passer vraiment totalement au travers et faire un sprint, une individuelle. Ciao, bye bye, au revoir, merci les JO. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut être grand. Est-ce que déjà, dans la course mixte, il y a deux hommes, deux femmes, est-ce qu'on en fait partie? Non. Bon, la réponse est non. Julia Simon, Justine Brezaz, Boucher, Simon Desdieux, Quentin Fillon-Maillet, on les encourage, c'est l'équipe de France, ça reste l'équipe de France, on va pas le regarder, on va skip la race. Est-ce qu'il y a une breloque pour la France? Breloque grand pour la France, let's go, ça fait plaisir. On va les célébrer toutes, on va toutes les célébrer parce qu'on fait partie de la team, Médaille d'or pour l'équipe de France, la première de ces Jeux Olympiques. Calmons-nous, on n'en faisait absolument pas partie. Il est là le sprint, la toute première breloque individuelle à aller chercher, on sait qu'il y a du beau monde. Nous le sprint, on veut être grand, on sait que ça implique surtout la poursuite, donc faut pas d'erreur, on a vraiment absolument pas le droit à l'erreur. Antol, c'est une piste qui ne nous pénalise pas trop, mais ne nous favorise pas non plus, faut pas déconner. Allez, la première course des JO, c'est maintenant, let's go le sprint, allez, soyons bons, concentrés, focus on the subject, on peut niquer deux courses en une. Mais on va pas le faire. Didier, le farteur officiel de l'équipe de France, nous a farté ça très très bien. Il nous a farté ça entre 6 et 10 degrés. Il fait actuellement 10 degrés. On va partir dans les derniers. Comme ça, on aura l'information sur les grosses têtes d'affiche. Là, on voit que les Français sont partis un petit peu dans le premier slot. On part dans le dernier. Allez, j'espère qu'on va être grand. J'espère qu'on va se concentrer sur notre course, faire notre course. Et puis, on fera les comptes plus tard. Allez, la France! Allez, ça part directement. On est bien. 10 degrés, on est impeccable. Hein. Les conditions climatiques sont formidables. On se doit à un moment donné d'être bon, d'être fort. Là, c'est un sprint, hein. Donc on peut s'envoyer directement. Hein. Pas d'économie aujourd'hui, c'est les Jeux Olympiques. Ah, et la piste est extrêmement technique, hein, on s'est envoyé. Mais bon, on a pas mal souffert. On est quand même pas parmi les plus grands, là. On voit que c'est pas une piste très rapide. On n'arrive pas à aller très très vite dessus. Je suis assez inquiet. La grid pour le moment qui est premier a fait une seule erreur. Donc bon, la grid premier, autant te dire que bon, c'est pas bien. Christensen a fait deux erreurs. C'est pas là, pas d'erreur. Quand t'as fait au moyen, pas d'erreur. Bon, nous, pas le droit à l'erreur. Allez, on prend les tirs les uns après les autres. Il n'y a pas eu de bonne surprise, comme quoi il y a eu beaucoup de craquantes, mais... Ouais, on a attendu parce que le fusil, on s'est dit est-ce que le fusil va remonter, le fusil pas du tout remonté. Donc il a fallu qu'on fasse très attention. Allez, on repart. Écoutez, on n'est pas dans les meilleurs, on n'est pas incroyable. On est combien? On est 20e pour le moment. Attention là, c'est dangereux. Et allez, on commence à faire le vide. 10 secondes 5, 19e pour le moment. Ah, c'est chaud, mais après il y a eu très peu d'erreurs en première balle, beaucoup plus en deuxième balle sur le debout. Donc c'est peut-être maintenant qu'on doit montrer qu'on est solide, qu'on est fort et qu'on a envie de... On a envie d'être grand aujourd'hui. Allez, on va se concentrer. Et après, on donnera le maximum. Et c'est sublime, c'est un 10 sur 10 pour démarrer ces Jeux Olympiques, c'est énorme. C'est monstrueux, maintenant, il n'y a plus qu'à sprinter, c'est le concept. Il n'y a plus qu'à terminer fort, il n'y a plus qu'à terminer vite. Allez, on donne tout. 7ème, 9 secondes 6, c'est énorme.
Et à la mi-course, on est repassé 9ème. Hein, voilà, c'est très technique, hein, tous ces S là. On est 9ème, hein, 11 secondes 4, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Faut pas qu'on lâche trop d'espace. Faut pas qu'on lâche trop de terrain. Faut qu'on reste proche des boudins. Prendre un risque maximum. Et on passe sur le dernier intermédiaire. 11 secondes. On a 0,2 secondes d'avance sur Johannes Bø. 0,2 secondes sur le prince norvégien. Mais malheureusement là. Bah, je le dis trois fois parce que c'est vraiment très malheureux, mais l'arrivée est très très loin, malheureusement. Et je sens qu'on va se faire bouffer. Quentin Fillon-Maillet devrait être en bronze. Hein. J'ai l'impression que Quentin Fillon-Maillet est en bronze. Elle a moindre breloque pour le Team France, bien sûr. On est tous derrière le Team France, bien sûr. Allez, notre première course individuelle. En tout cas, on sera qualifié pour la poursuite. Oh, alors, on termine loin. On est dixième pour le moment. Dixième juste devant Emilien. Il reste combien de temps? Est-ce que Quentin Fillon-Maillet va prendre une breloque? Véro, c'est pas la champion olympique du Spirit. Suivi de Sturla Lagride et de Quentin Fillon-Maillet. On termine dixième sur notre premier sprint olympique. Franchement, je suis hyper content. On est le deuxième meilleur français. Vignard Jacquelin fait une seule erreur. Il termine à une seconde de nous. Ah, sur les skis, on était loin. 12 secondes. Cette piste, elle nous avantage pas tant que ça. Et sur le tir, on a pris peu de risques. On a pris peu de risques sur le tir. Peut-être qu'on fera mieux sur la poursuite. En tout cas, on sera sans doute obligé de le faire. Mais bon... On sait que voilà, c'est une course olympique, c'était notre première. Je vais pas vous mentir, je suis stressé. Vous l'entendez peut-être, je bégaye, hein, mais je suis stressé quand même. Allez, la poursuite, on enchaîne. Et Didier nous a bien farté la gueule entre 10 et 6 degrés. Oula, je disparais un petit peu. Entre 10 et 6 degrés, c'est bon pour le moment. On est à 6 degrés. Faut pas que ça baisse. Hein, faut que ça continue de chauffer. Là, on va souffler un petit peu. 13 secondes, une de retard sur Terro Sepala. Faut vraiment que les mecs devant passent à côté. Attention, Emilien Jacquelin aura faim. Bonne poursuite à tous. Une poursuite de Jeux Olympiques. Allez la France, let's go. Allez, on peut le faire. Ça part. Allez, on doit céder entre Français. On doit se montrer la voie. Et non pas se rouler sur la gueule. C'est Kéminien de temps en temps, il est un petit peu agressif. Allez, réussir les tirs. Faire une bonne course. Essayer de ne pas perdre trop de temps sur les skis. C'est vraiment ça qui va compter. Hein. Et on est ski dans ski avec Emilien. Emilien qui nous passe un petit peu devant quand même. Emilien, qu'est-ce que tu fais, Emilien? Tu nous aides pas, Emilien. On est dans la même équipe, on a le même dossard, le même cuissard. On dort ensemble. Ouais, bon, je l'ai révélé. Peut-être qu'on fait un peu plus aussi, mais on s'entraîne, ok? On s'entraîne ensemble. Ouais, il y a du beau monde. Le premier tir, pff, regardez-moi ça devant. Oh, devant, ça fait aucune erreur. Les 5 premiers n'ont fait aucune erreur. Et nous non plus. Oh, mais personne fait d'erreur, à part Jacquelin, personne fait d'erreur. Non mais c'est incroyable, regarde-moi ça, laisseur, des yeux, ça fait pas d'erreur. Ah, y'a que Emilien qui fait une petite erreur, hein, mais ça c'est à force de me passer devant les skis, ça. À un moment donné, y'a une justice. Ouais, doucement monsieur, je suis présent. Doucement monsieur, je suis là. Doucement monsieur, voilà, prenez une balustrade. Et on en termine de ce deuxième tour. Et on est avec Simon Desdieux cette fois, voilà. On quitte un Français pour en trouver un autre. Ah, c'est la Team France hein, qui s'entraîne, hein. Enfin qui s'entraide. Et on le voit, hein. Lagride, c'est pas là, ça fait pas de faute. Malheureusement, Quentin Fillon-Maillet est en train de gâcher totalement sa poursuite. Giacomel Christensen, ça fait pas d'erreur. Kalili derrière. Il va falloir que ça va s'en foutre 2-3 dans le public pour qu'on puisse revenir. Allez, c'est pas mal, on est pas mal. Pas trop de rythme, hein, malheureusement. Simon en a fait une petite, les sœurs en fait une petite. Dalleux par continent. Là, ouais, les Norvégiens sont chauds aujourd'hui. Nous, on fait notre course, hein, de toute manière, on sait très bien qu'on espère pas grand-chose d'autre. Allez, on est combien actuellement? On est 8ème. Bon, c'est pas mal. Eh, pour pire, ma gueule. Après, on les voit, il y a énormément d'avance. On voit que la grid est déjà sur le pas de tir, en train de s'envoyer. La grid qui fait pas d'erreur. C'est pas là qui fait pas d'erreur. Ouais, ça va, la médaille d'or va jouer entre les deux. Giacomel qui a fait une erreur. Christensen qui a déjà du retard. Tom Schild, Quentin Fillon-Maillet, Johannes Bø. Et nous, on arrive dans notre petite 8ème place avec du beau monde derrière. Il va falloir continuer d'être parfait pour espérer quelque chose. Allez, concentré. Ah, il y a eu du risque. Franchement, la Cara, elle a bougé de ouf. La Carmine, elle a bougé, mais de dingue. Elle a eu un petit coup de... Je pense qu'à mon avis, quelqu'un m'a marché sur les spatules. Mais bon, c'est après... Que des gens trichent aux Jeux Olympiques, ça ne surprendra malheureusement personne. Et on est 10ème actuellement, 10ème. Dommage. On est avec... Oh, Simon Desdieux juste devant. Et on est loin et on voit que la grid en a terminé. Lui, c'est sûr, il va aller chercher sa breloque en or. La grid qui va être plutôt bien.
Lingrid qui va être champion olympique de la poursuite. C'est pas là. Christensen derrière. Peut-être qu'ils vont se battre pour la deuxième place. Giacomel qui devrait être quatrième. Tom Sheen, Quentin Fillon, Maïk Alili. Et des dieux, ça s'en va sur le pas de tir. Ça fait beaucoup de monde. Hein. J'ai cité beaucoup de monde. On est dixième actuellement dans notre objectif top 10 de l'année. On est bien. Alors on met pas de points en fait dans les JO. Hein. J'ai vérifié. J'avais dit une petite boulette sur la vidéo d'avant, mais bon, ça me surprend guère. Putain, je sais pas si vous l'avez vu, mais elle est vraiment au bord du bord du bord du bord du bord du bord. Prise de risque maximale sur ce tir. Je m'en veux. Je m'en veux terriblement. On voit Bénédicte Doc a craqué. Putain, on serait passé devant tout le monde. On serait passé devant tout le monde. Pourquoi ? Non, mais nous, on est onzième. Ah non, c'est parti, on serait huitième. Et là, il y a qu'une qui est juste derrière nous, ça va être compliqué. Et on en termine, on est à 51 secondes, mais surtout on est onzième, on a cul au cul. On a cul au cul. On dirait un jeu japonais avec des chiffres. Mais rien à voir, on a cul au cul. On y va, on donne tout. Allez, gardez cette 11ème place. Tant pis, on a un petit peu échoué dans notre objectif de finir top 10. Bah tant pis, c'est notre faute. On a fait 2-0. Attention, on a cul au cul. Non. Ça va être chaud. Il est où le bâtard? Non, on est 12ème, non. Après, on fait deux erreurs aujourd'hui, hein. C'est ça qui est terrible. Deux erreurs dans cette poursuite, on part dixième, je crois. On part dixième, on arrive 12. Je sais plus combien on part. Aujourd'hui, celui qui a pas fait d'erreur, c'est la grid. On a fait trop d'erreurs, on a merdé. Ah, je suis dégoûté, ah, calmez-vous. 27 secondes, on prend, et voilà. Par contre, on a tiré vite. Le dernier tir, à mon avis, bah voilà, 6.1, prise de risque maximale. Mais c'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'il faut pour espérer... 6.1, regardez, excusez-moi, des tirs debout, on fait 6.1, c'est grandiose. Là, on a fait quoi? 7.8, et là, on fait même pas 7.1. Non, on a tiré très, très vite. On mérite mieux, putain. Je mérite d'être aimé. Bon, c'est dommage, on avait fait combien? On avait fait, le résultat, c'était quoi? On avait fait 10e, on fait 12e, c'est terrible. C'est terrible. L'individuel, c'est la course qu'on attend avec impatience. Peut-être la course de ces Jeux Olympiques. Et après, il y aura le single relais. Pas sûr de le faire, du coup. Et après, il y aura le relais à Mastart. Il reste encore trois belles courses. Mais c'est cette course-là où on peut faire quelque chose. En espérant que les autres se caguent, bien évidemment. Cette course-là, on peut faire quelque chose. Didier, farte-moi des skis, on y va. Il nous faut entre moins 12 et moins 16 pour Didier. On partira dans le dernier slot. On verra si d'autres ont fait des erreurs. En tout cas, ça nous mettra plus ou moins bien. Allez, bonne course à tous celles-là. Pas de pression. Je sais que j'essaie de dire pas de pression. J'ai l'aubergine anti-stress. Je la comprime. Allez, bonne course à tous. Et on y va. On veut quelque chose sur cette course. 5 tours, 4 tirs, 2 couchés, 2 debout. Allez, on sait qu'on part avec un handicap d'à peu près 25 secondes, 27 secondes sur les skis. Ça sera sans doute la même, moins 16 pour le moment. On est dans le plus 5. Plus 5 de bonus, merci mon Didier. À nous d'être grand aujourd'hui. À nous d'être fort, à nous de pas trop tartiner le bleu surtout. Et d'être extrêmement fort au tir. Je rappelle, c'est 20 secondes de pénalité par tir manqué. Allez, on y va. Premier tir, le coucher, bien évidemment. Le premier coucher, on a vu qu'il y avait quand même quelques erreurs à droite à gauche. Bon, pas pour la grid, apparemment. La grid qui a décidé de rafler l'intégralité des breloques aujourd'hui. Mais allez, concentrez. Pas d'erreur, prendre son temps, c'est pas grave. Mais surtout, ne pas faire d'erreur. Assuré. Oh la dernière, j'avoue, je l'ai faite du bout des doigts. Eh mec, c'est incroyable, je suis vraiment stressé, premier degré. Putain, c'est les Jeux Olympiques aussi, c'est normal. Mais bon, premier tir, sans erreur, c'est important. Déjà, essayer de faire un sans faute, et après, on pourra rêver. Et on arrive au deuxième tir. Waouh, j'ai glissé trop longtemps. On arrive au deuxième tir, on voit qu'il y a beaucoup d'erreurs, ça allume dans tous les sens. Allez, à nous d'être concentrés. Putain, la grid, zéro erreur. À moins qu'il fasse 12 000 craquantes à la dernière, je pense qu'il sera champion olympique. Allez, à nous de nous concentrer. Le premier debout. Allez, prendre son temps. Faire le vide, gainer, mais pas trop. Pff,
Oh, la dernière, encore une fois, en clignant des yeux, mais ça passe, pour le moment, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, c'est sublime, alors je sais pas combien on va sortir, on sait pas, pour le moment, on s'en fout, pour le moment, on est bien, on est dans le game, on est actuellement en sixième de cette poursuite, de cet individuel, pardon. Et la Grid sera champion olympique, c'est une évidence, puisqu'il a fait aucune erreur sur la Grid, aucune erreur, il est tellement fort sur les skis en plus que, bah, c'est terminé, hein. Il sera meilleur, même si, attention, il y a Kalili quand même qui a pas fait d'erreur pour le moment, Babikov, pas d'erreur, Tom Schild, pas d'écoff, pas d'erreur non plus, wow, y a beaucoup de mecs sans erreur, ce qui rajoute une pression. Allez, le deuxième coucher, petite cible au milieu de la grosse cible. On a voulu la sur à la dernière, j'ai hésité à l'envoyer à un moment donné, mais bon rythme sur le tir, plutôt pas mal, et toujours à sans faute, toujours à sans faute, faut conserver ça en ligne de mire, espérer quelques erreurs de nos amis russes, hein, parce que là, vraiment, les trois russes là, qui sont juste derrière la grid, ah là là là, il y a trois russes et Yannou, ah s'il pouvait faire, oh, Tom Schild, pas d'erreur, c'est très dur, ah, le podium olympique s'éloigne. On avance sur notre dernier tir, on a vu que malheureusement Babikov n'avait pas fait d'erreur, Tom Schild pas d'erreur, mais Babikov on n'est pas si loin que ça de lui, donc peut-être si on fait un bon tir parfait assez rapide, peut-être qu'on peut espérer quelque chose, mais ça me semble compliqué, Tom Schild pas d'erreur non plus, ah, c'est terrible pour nous, c'est terrible, on avait un petit espoir, Kalili pas d'erreur non plus, ah là 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 là. Bon, on sait ce qu'on doit faire. Ah, la craquante pour la pression, la craquante de la pression. Ah, et là, c'est plus une cinquième place hein, qu'on vise, mais alors là, ça va être une dixième. Ah, non, on a merdé. Non, fallait pas faire d'erreur pour être au moins bien placé. Allez, peut-être le top 10 à aller chercher, peut-être le top 10. Et on en termine péniblement, C'est dur. Allez, dixième pour le moment, est-ce qu'on va basculer onzième? Ah, mais regarde-moi ça, le triplé russe, là, quasiment, là. Ah, des yeux, on est le premier. Ah non, il y a Fabien Claude qui est là, avec une erreur. Ah, tu nous enlèves 20 secondes, on est à 26. 26-3, on aurait été 5e pour le moment. On aurait été 5e, on va reculer. On va reculer, on est 11e. Est-ce qu'on recule plus? Est-ce qu'on reste à notre 11e place? C'est pas mal, 11e. On fait 10, 12, 11. Ah, je suis frustré. Avec 26 secondes, on aurait été quoi? 26 secondes 3, on aurait été 6e de ces Jeux Olympiques. Il va falloir qu'on progresse. Mais là, regarde-moi ça, excusez-moi, mais ils ont surperformé les Russes. Pardon, mais normalement, techniquement, excusez-moi, on est 11e, mais t'enlèves au moins 4 Russes hein, qui ont rien à foutre là. Hein. Donc techniquement, il y a 1, il y a 2, il y a 3, 4, 5 et 6. Hein. Si on est de mauvaise foi, techniquement. Ah non, regarde-moi ça, 20 secondes de perdu sur les skis, plus 20 secondes là, au tir, on a pris beaucoup plus de temps. Ah, je suis colère. Ah, on est frustré. On va voir ce qu'on va faire. À mon avis, on fait pas le single mix relais. Ouais, voilà, on fait pas du tout partie de ça. Mais on va regarder peut-être que la France, entre Simon Desdieu et Justine Brezaz, peut-être va faire quelque chose. Allez, petit, allez, bébé. Cinquième. Nul. Le relais masculin. Ah, par contre, il y a intérêt qu'on le fasse, le relais masculin. Il y a intérêt qu'on le fasse. Là, 10, 12, 11. C'est pas si mal. Il faut que je me concentre. Il y a eu trois erreurs quand même malgré tout. On fait quand même un super sprint. Mais sur les skis, ça tient pas. En fait, le problème, c'est que là, personne ne craque. Personne ne craque parmi les champions. Et même, en fait, il y a eu beaucoup de mecs qui surperforment, qui sont censés être... qui sont déjà devant moi, quoi. Tu vois, donc c'est compliqué. Allez, il nous reste le relais. Plus la mass start. On essaye de... C'est pas terminé. Nos JO ne sont pas terminés. On va chercher de la breloque, bordel. Et c'est avec cette équipe qu'on allait chercher la breloque en or à Sochi. À nous de ramener l'or olympique. Et ça sera vraiment ma médaille d'or puisque j'aurais participé. On va partir sur la première ligne avec, du coup, c'est Émilien Jacquelin, suivi de Poney Club, suivi de Simon Desdieu, suivi de Quentin Fillon-Mayen. Allez, la France, allez, bleu. On est tous ensemble. Et le premier tir, il est important parce qu'il nous lance le relais, Émilien. Émilien qui arrive en tête, hein, vraiment bien collé par le Russe, bien collé par le Norvégien. On sait que c'est à peu près les trois nations fortes, mais attention, hein, ça peut craquer. Hein. Un seul tir d'un seul biathlète sur un relais à 4 peut complètement tout foutre en l'air. Allez, on croise les doigts, Émilien, on est avec toi. Émilien, blanchis-moi la première. Et la première est blanchie, quasiment en même temps qu'Alili et Bakken. La deuxième est blanchie. La troisième est blanchie. Oh, ça met la pression en dessous. Quatrième blanchie. Kalili qui blanchit tout. Bakken qui blanchit tout. Et Jacquelin qui blanchit tout. C'est impeccable. On sait à qui on a affaire. On connaît le trio. Potentiellement le podium.
On en est loin. Allez, on arrive sur le debout. On sait que Kalili, ça tire très très vite. Ça tire très bien, mais ça tire surtout très vite. Ça peut faire des erreurs, on espère. Bakken, Jacqueline, ça se place dans cet ordre-là. Kalili est bien placé. Il n'a pas encore engagé la première, c'est fait. Allez, Kalili, ça envoie très très vite. Allez, allez, Mignon, allez, Mignon. 2 blanchis, 3 blanchis. Une erreur de Bakken. 4 blanchis, 5 blanchis, ça va repartir dans les skis de Kalili. Et on sait que sur les skis, Emilien, on sait que Emilien sur les skis, il a pas dit son dernier mot. Et après, ça sera à nous de briller. À nous de briller. Bon, Emilien sur les skis va nous rendre à 3 secondes, c'est pas si ouf. Je suis un peu déçu. Je pensais que sur le dernier tour, il allait être assez chaud. Kalili, il a dû progresser de dingue, en fait, c'est pas possible. Allez, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. On va partir avec combien de retard? On sait pas encore pour le moment, on sait pas encore. C'est un sprint, 3 secondes 6. Et 5 grosses secondes d'avance, enfin 5 secondes, hein, tout simplement, d'avance sur la Norvège. On a vu que la Suisse avait été plutôt pas mauvaise, donc attention. Le deuxième relayeur est techniquement le plus mauvais. Pourquoi ils nous ont mis 2, alors? Chut, tu veux pas savoir. Allez, à nous d'être bons, 4 secondes 5, c'est rien, c'est rien, c'est rien. On sait que sur les skis, c'est compliqué. Moins 12 degrés en plus, non, je crois que le fartage est bon. Didier, bien joué. Et puis cette piste est technique, hein. On va vous laisser un petit peu mon tour, là. Cette piste, elle est assez technique. Elle est pas évidente, pas évidente. Là, il faut s'envoyer un petit peu parce que le mur est assez grand. On sait qu'on a... faut qu'on susote les boudins sans se les prendre, sinon on est ralenti totalement. Allez, mon petit. Attention ici, c'est dangereux. Ah, tu vois la petite force centrifuge qui te fait glisser, qui te fait pas reprendre bien comme il faut. Allez, 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 allez. Le premier tir, ça va être important. Le premier tir, ça va être important pour ton pays, bordel. Pour le pays, putain. C'est pas toi là qui défend, c'est le pays. On a récupéré des secondes, on a récupéré des secondes. On sait que eux, sur le premier tour, ils s'envoient pas comme des ânes. Allez, 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 allez. Surtout, faut qu'on regarde devant. Faut qu'on regarde devant. Faut qu'on ait l'espoir. Pas faire d'erreur. On sait que sur les relais, on s'est jamais trompé. Sur les relais, on a toujours répondu présent. Quand c'est pour le pays, on se sublime. Et là, 4 erreurs. Et y a pas d'erreur, y a pas d'erreur, y a 2-0 du côté de Tchekov. Y a 2-0 du côté de Tchekov, 2-0 du côté de Beu. Et alors peut-être, et alors mon petit. Et on est parti nous. Et ciao, bye bye. Et salut les cons. Salut you. Bye bye ladies. Allez, on est bien. Combien de secondes avance? Combien de secondes avance? Combien de secondes avance? Bon, ils sont toujours pas là, ils sont toujours pas là, c'est bon. 9 secondes avance. Allez la France. Premier dog. Et on passe le dernier slot avant le tir debout. Combien on avance? Dites-nous, 7 secondes. Une, ça va, on a perdu que 2 secondes. Un bon tir pour mettre la pression. Allez. Et transmettre le flambeau dans les meilleures conditions et aller chercher cette breloque. C'est tout ce qu'il nous faut. Alors bien évidemment, c'est aléatoire après. Enfin, c'est pas aléatoire, ça va dépendre des stats de Simon Desdieux et de Quentin Fillon-Maillet. Mais normalement, ce sont les meilleurs. Allez, concentré. Oh là là. Et c'est parfait pour l'équipe de France. C'est parfait. Et on repart. Et on repart. S'il y a une petite erreur, ça se prend. S'il y a une petite erreur. Ah, Johannes Beu, pas d'erreur. Pas d'erreur pour Johannes. Pas d'erreur pour Tchekov. Bon, bah, quoi qu'il, il va falloir qu'on aille très très vite sur ce dernier tour. On sait qu'ils vont tout mettre. À nous de tout mettre aussi. S'il faut vomir, on vomit. Et allez. Combien d'avance? 4 secondes 3. C'est pas si énorme. Hein, c'est pas si énorme. On a essayé de tout donner, mais bon. Franchement, on sait que sur les skis, on est vraiment à la ramasse. Allez, on met du sprint, on met tout. On va falloir aller passer à côté, là, le long. Après, on a un virage. Ah bah bonjour, apparemment, c'est quoi? C'est biélorusse, slovène, ukrainien, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est en galère. Allez, nous, on passe le relais avec un maximum d'avance. En tout cas, c'est tout ce qu'on a essayé de donner. On a fait le boulot, pas d'erreur aujourd'hui. On a fait le boulot, on peut être fiers de nous. C'est à Simon maintenant de faire le boulot. Simon qui arrive sur le premier tir, il a déjà perdu quasiment une seconde. 3 secondes d'avance, quasiment une... Ah, c'est pas l'équivalent d'une balle de pioche, mais bon, voilà, il faut bien tirer pour Simon. Il faut bien tirer pour mettre la pression. Christensen derrière lui, il va se positionner également à côté. Allez, faut envoyer la première, faut l'impressionner. La tip-off aussi va se positionner. Voilà, la première est bonne, c'est très très bien ça, mon Simon. La deuxième est bonne, c'est ce qu'il nous faut. La troisième est bonne, c'est très très bien. La quatrième est bonne, c'est très très bien. Ah, la petite erreur, malheureusement, la petite erreur. Et Christensen, fais pas d'erreur. La conne de toi. Voilà, il va partir en même temps que la tip-off, putain. Notre joker est brûlé. Ça part à 3 secondes de Christensen et à 4 secondes, 1 seconde de la tip-off. Allez, la petite craquante, mais c'est oublié. Hein.
3 secondes 5 avant d'arriver sur le tir debout. Voilà, le tir debout. On a vu Kristen Sett se positionner sur le tir debout. Simon se place en même temps que Latipov quasiment. Kristen Sett, quand voit la première, quand voit la deuxième, quand voit la troisième. Allez, Simon, la première est blanchie, la deuxième est blanchie. Une erreur de Kristen Sett, ça se prend. Latipov qui tire très très vite. Latipov qui blanchit. Oh putain, l'erreur de Simon. Pourquoi tu nous fais ça, Simon? Putain, tu récupérais tout le monde. Putain, Simon, il nous chie dans la colle. 6 secondes 5 de retard. Merde. Et après un relais relativement médiocre, il va passer le relais à Quentin Fillon-Mayen. Avec combien de retard sur les Russes? Combien de retard sur les Russes? Ouais, non mais sans déconner, on a vieilli 7 secondes de retard sur les Russes. Allez mon Quentin, montre-nous le champion olympique qui s'en met en toi. On a besoin de toi, mon gars. On a besoin de toi parce qu'aujourd'hui, ça a merdé. Aujourd'hui, il y a un mec qui a merdé, c'est pas toi. C'est pas moi, c'est pas Emilien. Après, c'est en équipe qu'on gagne et qu'on perd. Hein. Allez, il s'en va vers le premier tir. Allons, on vit ça ensemble. Il y a une médaille olympique à aller chercher. Quelle couleur? Pardon. Danil Serok-Vostov qui en termine. Danil qui fait une erreur. La grid qui fait une erreur. Allez, Quentin. Ça blanchit. C'est bien ce qu'il nous fait. C'est bien ce qu'il nous fait, Quentin. Fais-nous ça, Quentin. Fais-nous le bien. Tout va jouer sur le dernier tir. Et on y est sur ce tir. Le tir pour l'or. Le tir debout. On a la grid, on a Serok-Vostov et on a Quentin Fillon-Mayen. On sait qu'on a 3 petites secondes. Il s'est placé un petit peu trop lentement. Attention, on peut espérer. Allez, la première est blanchie. Une faute pour Danil. Ah, la grid qui fait pas d'erreur. Allez. Oui, Quentin, ça va être de l'argent. Ça devrait être de l'argent. Wow, ça va se jouer sur les skis. Ça devrait être de l'argent. Normalement, ça va être de l'argent. 5 secondes, 1. Putain, Simon. Putain, la breloque en or qui nous passe sous le nez, là. J'ai bossé pour avoir un petit peu d'or, moi. Bon, ça sera de l'argent, j'aime bien aussi. Fais chier, quoi. Fais chier, on a bossé. Nous, on a tout donné. Et là, on en termine. Et l'équipe de France, médaille d'argent derrière la Norvège. C'est quand même une belle médaille. Une belle médaille. La première pour Poney Club. La plus première de l'histoire de sa jeune carrière. Poney Club qui en termine, du coup. Avec pas d'erreur, hein. Voilà, finalement, le seul qui a fait de la merde. Emilien était rapide. On s'est pris quand même 7 secondes dans la gueule. Sinon, ouais, on est bon. On est le dodan de ce relais. Mais sur le shooting time, excusez-moi du peu. Pardonnez-moi, monsieur. Voilà, sur le shooting time, on représente. Putain, on a eu 13 secondes dans notre cul, là, qui nous a mis, là. Merde. Bon, une médaille. On a quand même une médaille, ça fait plaisir. Il reste une dernière course, messieurs, dames. La mass start, est-ce qu'on va la faire? J'espère qu'on l'a. Franchement, on a des bons résultats. On va faire la mass start. 5 tours, 2 couchés, 2 debout. Allez, Didier, farte-moi ça. C'est la dernière course des JO. On sait jamais. S'il y a le 2 des JO, le dieu du billard qui veut nous sourire. On vise le top 10. On espère au moins top 10. Voilà, parce que là, on a fait 10, 12, 11. C'est bien, mais bon, on espère mieux. On vise le top 10. On espère un peu mieux que ça. Et si ça veut sourire, eh ben ça sourira. On partira sur la 4e ligne, ce qui est pas mal. Voilà, on a été classé 11e sur ces Jeux Olympiques, ce qui est normalement notre place. On a donc QFM qui est devant nous, Simon Desdieux qui est devant nous et Emilien Jacquelin qui est sur la même ligne que nous. Allez, il y a du gros Norvégien derrière nous, par contre, qui a la dalle. Et devant, bah, c'est les princes. Hein. Vraiment, la grid, c'est pas la Kalili. Ceux qui maîtrisent vraiment cette saison, mais ça peut faire des erreurs. Cinq tours, il faut être à l'économie, il faut faire attention. On sait qu'on va prendre très très cher sur les skis, mais c'est notre dernière course olympique. Ah, je me bafouille bien évidemment, mais c'est les émotions, c'est les lèvres, elles sont gercées. Tu comprends bien, pourquoi est-ce qu'il prend l'accent du sud d'un coup comme ça? Oh, je sais pas, je trouve ça sympa moi personnellement. On n'est pas si mal, hein, 2 secondes 6, là on est 8e, on n'est pas si mal là sur ce premier tour. Alors, peut-être qu'on l'a consommé plus que les autres, j'en sais rien. Bah, passe-moi sur les skis, putain, on est ensemble, merde, on a le même chasuble. Casse tes couilles, ces gens-là, là. Putain, ils respectent pas, là. Respectez-moi, je suis le petit poussé, mais respectez-moi. C'est QFM, putain, c'est fou de faire ça. Allez, premier coucher, face couchette. Ok, c'est pas mal, ça nous lance, on voit qu'il y a des erreurs de Johannes Bö. Oh, il y a peu d'erreurs quand même, globalement. Allez, on se relève pas comme un papillon, on se relève bien. Est-ce qu'on l'a tiré vite? J'ai l'impression qu'on sort plutôt pas trop mal. Quatrième, on nous annonce? Non, oulala. Quatrième, on nous annonce? Quatrième, cinquième? Derrière QFM?
Top Chine des yeux. Ouh, il y a du français. Et les trois français sont là, hein. 3-4-5, c'est plutôt pas mal, 3-4-5. Là, on est bien, QFM. Oh là là, c'est stressant, cette dernière course, c'est pas mal. Allez, continuons de rêver. QFM, Simon Desdieux, Poney Club. Alors après, il y a du monde derrière, il y a quand même, voilà, on n'est pas tout seul. Mais c'est pas mal, la grid, c'est pas là devant, les princes. Tom Chin qui est un peu chié, je pense. Allez, on est bien. Bon, c'est très très lent. Et devant, à part Simon qui a tout craqué, Bakken a tiré vite. Heureusement, il y a eu des petites erreurs sauf Christensen. Ouais, je suis stressé, c'est chaud. On vous l'a dit, on a les lèvres gercées, bordel. On est quoi? On est 5ème, toujours 5ème. Bakken est juste derrière nous. Ouais, il y a du beau monde encore, mais on fait une très 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 grande course pour le moment. Et on défend notre 5ème place, on est plutôt pas mal. Avant le troisième tir de cette course, on a consommé quand même pas mal de bleus, mais on s'est défendu comme on a pu, comme des tigres, comme un beau diable, comme on dit. Ah ouais, Simon Desdieux, il a vraiment chuté au fin fond du classement, comme quoi ça peut aller vite. Hein. Une craquante, deux craquantes, c'est terminado, il a grid, hein, qui continue. Il continue d'être juste le prince de ses JO. Ouais, c'est le prince de ses JO, désolé, mais la grid, il est intouchable aujourd'hui. Et nous on est pas mal, oh, ça a complètement craqué. Tom Chin, 3 fautes, Fillon Maillet, 2 fautes. Et ça fait quoi derrière? Non, Christian, c'est pas de faute, Bacon, 2 fautes. C'est pas mal, Smolski, pas de faute. Attendez. Oh putain de merde. On est pas mal, alors peut-être. Et on résiste avec Christensen, on est toujours 3ème pour le moment, c'est assez exceptionnel. Putain, enfin, 3ème, 4ème là, j'ai mis du temps à me relever, bah ouais, je mettais de la musique, mec, excuse-moi d'animer, enculé, là. Putain, c'est fou de faire ça, il me respecte pas. La grid, c'est pas là, ça s'en fout plein la gueule. Bon, si c'est pas là, pouvant envoyer 4-5 dans le public, moi j'aimerais bien. Christensen, Smolski, Benedict Odol un petit peu plus loin. Allez, le dernier debout de ces Jeux Olympiques. Et on n'aura pas fait de faute, ça fait quoi derrière? Est-ce que ça en fait le petit? C'est parce qu'il en fait le petit! Bénédicte, n'en fais pas! C'est terrible, il va sortir à combien de nous? On va le vivre ensemble, ce dernier tour qui peut nous amener vers quelque chose de très très grand. Il va sortir à combien de nous? Laissez-moi au moins. Oh putain, on a que 4 secondes d'avance, même pas, 3 secondes 5, c'est de la merde. Non, je veux pas vivre ça, respectez-moi. Respectez mon talent, respectez mon biat, putain. Me jugez pas sur mon biat, aujourd'hui c'est exceptionnel ce qu'on fait, aujourd'hui c'est incroyable, aujourd'hui c'est grandiose, respectez mon biat, bordel. Ah, elle est dure cette piste, le problème c'est qu'elle est extrêmement dure. Oh, c'est génial, si vous êtes au bout de cette vidéo, bah, merci d'être là, en tout cas merci beaucoup, le petit pouce bleu parce qu'on vit des émotions, moi je suis juste là pour vivre des émotions, les émotions du sport, les émotions de la vie, les émotions de la folie, pas d'erreur, elle est extrêmement technique cette piste, on le sait très bien, l'attention, il faut en remettre une petite. Allez, on essaye de tenir tant bien que mal. Bénédicte Odol est collé à nous, il est juste là. Nous la fait pas, Bénédicte, pas toi, pas maintenant. Oh non, je veux pas vivre ça, je veux croire en nous jusqu'au bout. Allez, mon petit, allez. Allez, donne tout, le moindre seconde, le moindre centimètre. Ça peut compter sur la fin. La reprise est bonne. Allez, on envoie un petit peu. On récupère un petit peu d'énergie. Allez. Tu peux y arriver. On a confiance en toi. Tu peux y arriver. Non, je savais qu'il fallait que je le bloque, j'étais trop loin, il fallait que je le bloque, putain. Oh, quelle course exceptionnelle. Ah, les Jeux Olympiques, quelle folie. Ah, putain, fallait que je le bloque, fallait que je trouve un moyen de le bloquer, gratter sur les derniers mètres. Ah, c'est, j'en rigole, mais je suis abattu. Je suis pulvérisé mentalement. Il a tiré comment, Benedict Odol? Putain, on lui met 2 secondes là, et là, il court comment? Il nous prend que 3 secondes. Putain, il nous prend rien. Ah, attention, ça joue à que dalle. Hein.
failli même perdre la quatrième place. Ah, les barrières qui étaient pas assez proches de nous, c'est tout. C'en est terminé de ces Jeux Olympiques avec ces résultats exceptionnels. On a une breloque en relais masculin, dommage, elle est pas d'or. Nos premiers JO, on a appris, on a vu que sur une course, on pouvait être grand, on pouvait être le meilleur des Français. Dans 4 ans, on sera encore plus fort et on se donne rendez-vous forcément pour les prochains Jeux Olympiques en espérant que la piste soit favorable. En attendant, on va travailler, on va bosser. Demain, c'est la dernière étape de la saison avant de démarrer au 1er janvier. Une nouvelle et cinquième saison et on aura les dents longues, je peux vous le dire. On va quand même viser le top 10. On est actuellement 10e. Il faut qu'on reste top 10 pour mettre un maximum de points et pour devenir intraitable sur les skis, le perdre le moins de temps possible. On va pas récupérer tout ça en une saison, mais peut-être que d'ici, pas la saison prochaine, mais la saison d'après, on va pouvoir commencer à jouer vraiment les podiums. Et la saison prochaine, peut-être si on améliore notre tir. En tout cas, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Je pense que c'est un format assez long. C'est les Jeux Olympiques, c'est exceptionnel. Jusqu'au bout, il fallait rester, en tout cas, c'est clair. Merci infiniment de suivre cette série. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je pense que la vidéo des JO va vous plaire. En tout cas, je l'espère. Et merci de faire grandir la chaîne. Si tu veux t'abonner, n'hésite pas. Il y aura encore des contenus sport exclusifs. Et puis sinon, on se retrouve sur Twitch. Poney Club avec 3E. Ciao les potes. À très vite. Je suis dégoûté.